Dédicace à mes gros pleins de soupe, d'accord, je vous comprends, on est ensemble, je sais que l'expression est peut-être un petit peu difficile, mais fait chaud! Ah ouais, fait chaud frère, c'est quoi ça? Oh, 32, 33 degrés, chaleur des villes, j'en peux plus. Ouais, je sais, y a des mecs qui vont arriver avec leurs grands sabots. Nous, on vient du sud, il fait chaud, mais avec l'air marin, ça va mieux. Ta gueule, Timothée, ta gueule, je suis jaloux. Ouais, je sais, propagande lyonnaise toute l'année, sauf l'été, effectivement, c'est un petit peu plus difficile. Et on est dans un moment où c'est vous qui êtes à l'avantage, mes sudistes, profitez-en, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la saison 4 de Black Ops Cold War. Plus que quelques mois dans le jeu et ils se sont dit qu'ils allaient encore ramener des choses. Je n'y joue plus du tout. Voilà, comme ça, moi je te le dis, ça fait un mois et demi que je n'ai pas joué au jeu. Les dernières vidéos que j'ai fait, c'était d'ailleurs à la sortie de la saison 3, du coup, si je dis pas de bêtises. Mais ça fait quand même plaisir de se faire un petit retour. En ce moment, je fais autre chose que du gaming. Et quand même, avoir une petite vidéo, on peut parler comme ça de cette manière et tout, c'est cool. Regardez, il y a Hijacked qui a été ramené dans le jeu. Donc on va aller sur Hijacked, les amis, on va aller jouer sur le game tout simplement. On va voir ce que ça donne, qu'est-ce que Black Ops Cold War est devenu, quelles sont les actualités sur le jeu, qu'est-ce que cette saison 4 a dans les boyaux. Bah écoutez, on va le découvrir dans un instant, hein. C'est parti baby. Let's go les frérots, let's go. Bon du coup on est sur le game, on est sur le jeu, comme je l'ai dit, Black Ops Cold War. Là, j'ai fait aucun effort, voilà, j'ai fait aucun effort. Je vous le dis direct, j'ai fait aucun effort de travail, aucun effort d'échauffement, aucun effort de rien. C'est-à-dire que là, littéralement, je joue en n'ayant pas... Hop là, monsieur, j'ai beau ne pas avoir joué depuis quelques temps, restez tranquille à des moments, il faut savoir rester à sa place, c'est très important. Je dirais même que savoir rester à sa place, en soi, c'est une qualité, tu vois, c'est-à-dire que tu connais ta valeur, t'es sûr d'elle, et tu ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Donc résultat, tu fais pas de dinguerie, et les gens t'aiment bien, et c'est important. Ouf, c'est important d'avoir des gens qui t'aiment bien, que ce soit agréable de bosser, de travailler avec toi. Monsieur ! Ça spawn de mon côté. Le son est un peu bizarre par contre, je l'avoue. Oh là 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 là. Gros. Vous voyez ce que je leur mets ? Donc il continue dans la digne lignée des retours d'anciennes maps de Call of Duty. Donc Hijacked, encore une petite map from Black Ops 2. Alors j'avoue... Oh, dommage, ça aurait donné du sale, la grosse série, pour commencer 8-0, c'est bien, ça échauffe bien les mains, ça fait bien plaisir. Ça restera un de mes regrets de ce game, c'est le fait qu'au niveau des maps ramenées, bah, il n'ait pas pris trop de risques, tout simplement. Beaucoup de maps de BO2, mais j'aurais aimé revoir des maps de Black Ops 1, mais des maps de Black Ops 1, t'as à l'époque, tu vois, des maps pas déjà refaites, en quelque sorte. Donc, Hijacked, on l'a déjà eu, on repense à l'immense Skyjacked de Black Ops 3. On a déjà re-eu Standoff, on a déjà re-eu Summit, enfin bref, on a déjà re-eu quasi toutes les maps qu'ils ont rapportées. En termes de taf, tu comprends bien qu'ils vont très très vite à l'essentiel et ils essayent de faire au plus efficace. Oh ! J'ai touché quelqu'un bien correctement là. Ok, let's go, on a réussi à pré-shot un kill, c'est pas mal franchement. Je retrouve quelques petites sensations, c'est cool. Donc ouais, au bout d'un moment, va falloir peut-être arrêter de prendre notre... nos couilles pour des sacoches Fendi, et ce serait cool que même si vous faites des remakes, bah vous preniez un peu de risques et pas des remakes déjà faits. Tu sais, moi j'aurais adoré revoir Radiation par exemple, ça l'ai déjà dit, Radiation de Black Ops 1, voire peut-être même des maps de Black Ops 3, même si on sait que la plupart des maps de Black Ops 3 sont adaptées à un gameplay Jetpackos. J'avoue, la prise de risque aurait été appréciée, mais malheureusement la prise de risque chez ces branle-couilles, c'est pas toujours, on va dire, le plus grand... Le plus grand des sujets. Alors attends, c'est qu'ils sont en face, on est en train de perdre. Je suis en 13-3, hein, donc là perso, me concernant, je pense que j'ai pas grand chose à me reprocher. Alors au final, ce petit Black Ops Cold War, quand même, il aura eu une durée de vie mitigée. Une durée de vie mitigée, je dirais, parce que j'ai quand même bien kiffé les premiers mois. Là, à l'heure actuelle, même quand je joue au game, ça va, j'aime bien aussi. Mais je pense que c'est aussi la manière dont se consomment les Call of Duty... qui est un peu pas passé de mode, mais qui est différente. C'est-à-dire que, ok, j'ai l'impression que peut-être qu'à voir, tu vois, du contenu... comment dire ? Avoir un jeu qui dure un an à l'heure actuelle, quand on sait qu'il y en a un là qui arrive par exemple dans 4 ou 5 mois, c'est peut-être devenu utopique. Je sais pas, le dernier Call of Duty qui a vraiment duré, c'est... Oh là 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 ! C'est Black Ops 3. Oh, ce que j'allais foutre, mon gars. Ce que j'allais foutre, mon frère. Tu l'as vu, celle-là? Quel plaisir. Non, les derniers Call of Duty qui a duré un temps soit peu toute l'année, c'est Black Ops 3. Surtout parce qu'il avait été bien update et surtout parce que c'était de la frappe. Peut-être que ce Black Ops Cold War dure moins parce qu'il y a Warzone à côté. Peut-être qu'il dure moins aussi parce qu'il était pas si bien que ça. Moi franchement, je l'ai apprécié. Je lui cracherai pas total dessus. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux faites et au niveau des contenus rapportés, etc. Quelques trucs sympas. Mais au final, c'est vrai que même si c'était gratuit en termes de quantité,
on va pas se mentir. Disons qu'on a pas fait une overdose, quoi. T'es pas là en mode, ouah, Black Ops Cold War, trop de nouveautés, ça nous déstabilise. Ah non, loin de là, frérot, t'es pas déstabilisé. Hein. Le jeu reste essentiellement le même. Mais bon, nouvelle map, nouvelles armes, la formule commence à être un petit peu connue. Et là, je vais vous faire, bah, du coup, plusieurs vidéos dans la journée, tu vois. Je vais vous faire des petites vidéos sur les nouvelles armes. C'est un plaisir, ça. Là, j'arrive. On vise ici. On revise ici. Oh, si je l'avais eu aussi, ça aurait été magnifique. J'ai voir bientôt. Nouvelle map, nouvelles armes. Je vais également vous faire des vidéos dessus. Donc, dans la journée, vous allez avoir, comme d'hab, 2-3 vidéos. C'est un petit peu mon moment facile. Et je suis content de vous retrouver pour parler aussi comme ça. On va parler également un petit peu de la chaîne. Donc, en ce moment, vous... De toute façon, je pense que vous le voyez. J'ai une activité un peu au ralenti. Essentiellement dû au fait que je travaille sur des trucs à côté qui me prennent un petit peu de temps et que j'essaye de faire au mieux pour maintenir une activité. Une activité, tu vois, minimale, c'est-à-dire 2-3 vidéos par semaine, tout en tentant des choses. Donc, c'est-à-dire que en ce moment, je fais des Z-Stories. D'ailleurs, hop, j'avoue que les Z-Stories en ce moment, je sais pas si c'est les thèmes abordés ou quoi, machin. Ils ont un petit peu moins de succès, ça arrive. C'est quoi cette dinguerie? Oh là, c'est quoi ça? Je crois que j'ai raté un truc. Je crois que j'ai raté un truc. Non, en vrai, je sais pas si c'est les thèmes abordés, tout ça, machin, mais c'est vrai qu'ils ont un poil moins de succès. Même ma chaîne, en ce moment, un poil moins de vues, quoi. Mais tu vois, c'est des fois les dynamiques, c'est comme ça, c'est pas grave, tu vois. Moi, je suis tranquille, y a pas de souci à ce niveau-là. Mais du coup, c'est vrai que les Z-Stories, je tente des choses. Je fais du contenu un peu plus IRL, tu vois, donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'histoires, il y a pas mal de bails où je fais des locales, des trucs comme ça. Au global, ça vous plaît quand même grandement, et ce local me prend du temps, et d'ailleurs, il est quasi terminé, pour être honnête avec vous. Hop là, let's go. Ça risque d'être à ma gauche là. Donc il me reste des choses à débarrasser, du décor à mettre en place, j'ai engagé des personnes. Et à côté de ça, bah franchement, les choses ont bien avancé et votre soutien a été impeccable. Et tu vois, dès que j'essayais de tenir un minimum d'activité, j'essayais de tenir quelques vidéos dans la semaine et je liveais pas. Là maintenant, j'arrive quand même à live assez souvent. Et en plus de ça, faut que je réussisse à tenir les vidéos. Croyez-moi que c'est pas toujours facile les frérots, parce que bah ça prend du temps. Et à côté de ça, le local, les travaux sont terminés. Il y a un nouveau local qui va sortir. Et on essaye également d'enjoy le retour à la liberté, les frères. Oh, le retour à la liberté! Plus de couvre-feu, plus de masque à l'extérieur. Oh, vraiment, je suis hypé de ouf. Alors c'est un retour à la normalité. À la liberté, j'avoue qu'on devrait pas être content de choses qui, pas qui nous sont dues, mais qui sont normales, quoi, tu vois. Mais franchement, difficile de bouder son plaisir, sachant qu'en plus, j'ai la chance de faire partie des personnes qui vont à France-Hongrie ce week-end. Voilà, France-Hongrie, les amis, l'équipe de France, le début de l'Euro qui a gagné face à l'Allemagne, très très heureux du côté de Chezak. De toute façon, très très heureux au global à chaque fois que l'équipe de France fait quelque chose de positif, tu vois. Je vais voir France-Hongrie et là-bas, je vais faire un live IRL là-bas. Donc en ce moment, sur mes lives, c'est pareil, je fais pas de Call of Duty, je tente des choses, ça passe bien. J'ai fait de l'ouverture de pack Panini, j'ai fait de, comment s'appelle, du live IRL, j'ai fait plein de trucs. Et les live IRL dans Lyon, en général, ça vous a bien bien plu. Donc il y a les replays, tout est sur ma chaîne replay si vous avez envie de voir un peu à quoi ça ressemble les live IRL que je fais. Donc ces live IRL, je vais en faire un samedi à partir de 11h à peu près du matin en direct de Hongrie, où je vais vous faire vivre tout l'avant-match en direct de Budapest. Donc tout l'avant-match en direct de Budapest, ce sera samedi sur ma chaîne Twitch. 3 oh le doublé. Ce sera samedi en direct de ma chaîne Twitch. Alors je dis pas qu'on va faire tourner des bars ou quoi, mais on va aller rencontrer des gens, on va voir les Français, on va voir l'ambiance, comment ça se passe. Regardez, regardez le score. Tellement serré. Tellement serré, 63-64. Ah, dommage, je perds avec 43-10, baby, je perds avec 43-10. Donc tout l'avant-match de France-Hongrie dans la ville, je vais tourner, on va aller voir les gens dehors, on va aller parler, on va aller vivre la chose. Ça va être très très cool, franchement, j'en doute pas. Et à côté de ça, bah du coup, je vous ferai également un vlog. Petit vlog local, un nouveau Z-Story à venir. L'été avec Zach Nani, bah écoute frérot, je pars en vacances plusieurs fois, ça je vais vous en parler dans les autres vidéos, on va essayer de s'organiser au mieux pour être actif. En attendant, bien entendu, la sortie du prochain Call of Duty, où là je vais également pouvoir vous renvoyer de la patate. Je sais que pour certains, vous vous rappelez de la divine époque estonienne de 60 vidéos en 60 jours. J'avais réussi à faire ça quand même. Hein. C'est un petit peu plus simple aussi quand t'as un jeu qui est d'actu et qui plaît à tout le monde. À l'heure actuelle, c'est peut-être un petit peu moins le cas, mais c'est pas grave, j'essaye de me détacher du gaming et je remercie profondément les mecs qui me continuent à me suivre, même si je suis autre chose, tout simplement. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce retour de Hijack. Franchement, ils ont pas grand-chose à redire, ça fait plaisir. Enfin, maintenant, tu sais, ils prennent pas de risque, quoi, c'est la même. Donc forcément, Hijack fait foncièrement plaisir, tu vois. 43-10, on revient, on a posé nos couilles, c'est cool. Ça permet de ramener un peu de diversité, de peut-être se replonger dans le jeu quelques temps. Why not, finalement, on a envie de penser. Les mecs, si vous avez kiffé, partagez la vidéo. Et on se dit à la prochaine, les amis. Bisous.